Les 73-51 de la planète Sibi francophone. Alors, et 73-51 tous. Le Dandy 33, 14 Bravo Charlie 33-01. Ça fait longtemps que j'ai pas fait tourner le poste. Alors, sur le web SDR, j'ai entendu là que ça arrivait d'un peu partout là au niveau des départements français et tout ça. Ben, je vais commencer par le 19. Alors là, eh ben là, il est 13h15. Hein? 13h15. Il n'y a pas un problème quelque part? Ah zut, c'est pas à l'heure. J'ai pas fait le changement d'heure. Alors. Ah, ça parle derrière. Là, c'est mieux. Voilà, là ce coup-ci c'est à l'heure. Faut que je fasse de la voiture aussi. Bon, avant d'aller voir sur les sup, enfin si, je sais qu'il y a du monde sur les sup. Test de connexion. J'aime bien commencer de ce côté-là. Attention les stations fréquences pour Dandy 33 qui lance appel depuis le département de la Gironde du côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Validé. Le Nord-Ouest de France, c'était mon premier contact depuis, oh, au moins ça. Hachi, et 73-50 à retourner, en plus c'est sur le 19, donc là c'est que du bonheur. Eh bien justement, je viens juste d'en démarrer une vidéo. Bon, c'est très très QRP de mon côté, hein. Par contre, à propos de vidéo, alors il y a certains petits malins comme encore là, je sais plus, ce midi ou ce matin, je sais plus, ou début d'après-midi, je sais plus trop. Enfin bon, bref, aujourd'hui, qui s'amusent à passer mes vidéos en fréquence. Mais là, bon, tu vois que là, c'est bien moi qui suis au micro puisque je te réponds. Hachi. Signal de 7, Omar, faut dire que j'ai du QRM de mon côté. Hein. J'ai pas mis mes lunettes, j'ai pas trop fait gaffe. Vas-y, reviens-moi pour voir. 4, 5, 3, 5. Ouais, bon, c'est entre 3 et 5 là de mon côté. Ça navigue un petit peu, mais au niveau radio, c'est vraiment, vraiment QRP là de mon côté. Mais bon, comme je te disais juste avant, j'ai du QRM aussi, alors forcément. Ouais, le nord de France, le haut de France, c'est 73-51 de Dandy 33. Ok, merci, les babayes, 73-51 à toi. Ouais, je viens de répondre à l'instant au haut de France que j'ai entendu vraiment en QRP. Là, je crois que je vais, bah, de toute façon, à chaque fois, je me balade en fréquence. Alors, j'allais dire que pour une fois, je vais me balader un peu, mais non, à chaque fois, je me balade. Hachi! Ok, profite bien de la propague et de l'après-midi. Pour nous, ici, sur le sud-ouest, sur la Gironde, il nous est annoncé pour cet après-midi 40 degrés. Alors, autant dire que les packs de bière, ça va descendre tout seul. Hachi, trois coups! Merci, ouais, bah, t'es, j'ai la même température, là, 37 degrés, là, pour le moment, ouais. Ouais, c'est ce que je vois, là, ouais, c'est ça. C'est bien simple, au niveau du QRA, hein, il faudrait que j'aille sur mes vidéos pour voir de quand date mon dernier cuisson en fixe. Comme quoi, j'ai une nette préférence pour le mobile.
Canal 27 en FM, eh ben, je vais m'abstenir de lancer des appels là. J'aurais dû me prendre le micro, me mettre en fréquence, me jeter sur la station. Là, de suite, tout à l'heure, là, quand ça arrive, quand j'ai entendu la Belgique et tout, département 77 et tout ça. J'irais bien dans le push me mettre sur la colline qui est à côté de chez moi, mais là ça fait trop chaud dehors. Si c'est pour cuire en plein soleil, non merci. C'est un accent doux, ça. Hein. J'arrive pas à reconnaître. Zut, il manque le filtre DSP. Ouais, j'ai plus les réflexes. Ça va mieux, là. Et si je fermais ma bouche, on entendrait mieux. Ok, donc là, en AM, sans filtre DSP, et là, avec filtre DSP. Ok, ça c'est pour rappeler un petit peu comment il fonctionne. En BLU, voilà, sans filtre DSP. Avec filtre DSP. Bon, évidemment, je peux pousser davantage le réglage. Là, je suis à fond. Hein. Voilà. Alors, ne me demandez pas comment je règle de mon côté, quel niveau de réglage je mets de mon côté. Parce que là, après, c'est propre à chaque station, à chaque matériel. Et chaque environnement aussi. Faut que je retrouve mes réflexes, moi. Non, c'était pas 820. CQ des X. Appel sur la fréquence Monitor Bravo Charlie pour 14 Bravo Charlie 3301 qui lance appel depuis le sud-ouest de France. CQ des X. Appel sur la fréquence moniteur du groupe Bravo Charlie Québec de 14 Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest France, département de la Gironde. CQ, CQ, CQDX.
Appel de 14, bravo Charlie 3301, opérateur Rémi, qui lance appel sur la fréquence moniteur du groupe Bravo Charlie. Alors le plus drôle, c'est que malgré, j'ai débranché l'antenne là, du web SDR. Hein. J'ai mis un capuchon au bout pour bloquer le rayonnement. Bon, évidemment, ça passe quand même un petit peu. Et il y a quand même des gens qui restent sur le web SDR. Oui, sur un décamétrique, il y a aussi un clarifieur. Ouais, il y en a un. Oh, je te reconnais, toi. Ouais, on se connaît. Si tu n'entends pas les autres stations. J'aurais dû me mettre en fréquence tout à l'heure. Mais j'ai joué le têtu. En voulant faire autre chose avant. Le plaisir d'abord, le travail après. Ouais, ça c'est une bonne philosophie. Ça. Aïe. Ah, ça se trouve, c'est. Ouais, j'en étais sûr. Dans la partie haute comme ça, il y a beaucoup de stations anglaises, allemandes, comme on vient d'entendre là, Germanie, en FM. Bon, 625 est calme. Tout à l'heure, il n'était pas. Ah si. Il y a du monde derrière. 585. CQ, CQ, CQDX, appel de 14, bravo Charlie, 3301, opérateur Rémi, qui propose un QSY sur le 27 585, 2, 7, 5, 8, 5. Ah zut. Tant pis. Attention, station fréquence pour Dindy 33 qui lance appel depuis le département de la Gironde. Oh, il y a quelque chose qui passe là, de mon côté, mais c'est très, très, très QRP. Je crois que je vais pouvoir attraper des cotons-tiges pour nettoyer les oreilles du poste. Ouais, la station qui a dit bonjour Rémi, tout ça retourné, ainsi que la station qui m'a répondu là, qui m'entend bien, les 73-51 retournés, avec le beau temps et la chaleur cuisante de la Gironde.
me demande s'il n'y en a pas qui squatte la FM. Bon, d'accord. Ah ben, ça a été très sporadique, là, pour le coup. Passe pas. Allez, vas-y pour le stand-by aussi dans quelques minutes. Ah si. À plus tard, Jean-Luc. À plus. Bon, tapis. 505 personnes. Non. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 Bravo Charlie 3301 qui propose un QSY sur le 27 505 27 505. C'est parti pour moi. Ah. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 Bravo Charlie 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, dans les environs de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Le 16 novembre 08, la Belgique. 16 novembre 08, la Belgique, les 73 à vous. 14 Bravo Charlie, 3301 Rémi, Dundee 33 sur le sud-ouest de France. Oui, mais 73, par contre, je n'ai pas eu QSL de 100% de la DKTVG 14 Bravo Charlie 33, bien c'est interrogation, s'il te plaît, peux-tu me répéter? Oui, 3301, 14, Bravo Charlie, 3301, opérateur Rémi, Romeo, Echo, Mike, Yankee. Ok, 100%, 100% Rémi, c'est l'opérateur, c'est Fabien, Fabien, Foxtrot, Alpha, Bravo, India, Echo, November, QSL. Oui, QSL, par contre, du coup, j'ai zappé l'indicatif, Hachi, désolé. Ok, 16 novembre 08, ah ben pour être court, c'est court. ben pourquoi pas. Et il y en a qui ont des indicatifs à rallonge. Là au moins ça mérite d'être court, clair, net et précis. Donc les 73 à vous, 14 Bravo Charlie 33-01 Rémi, sous un beau soleil du sud-ouest. Là on tourne 37 degrés par là. Il y a une montée de température qui est prévue à 40. On est en pleine canicule là ici là sur la Gironde. Ouais, affirmatif. Ah ben nous ici sur la Belgique, on est moins gourmand, on est moins gourmand. On a eu 25 degrés ce matin et à 28 à monter ici dans la. Donc ça va encore propre. Mais bon, voilà, comme on dit toujours chez nous en Belgique, c'est un peu normal à vos méprises qui vient, car on a plus de pluie que de soleil. Hein. Hey, si t'en veux un peu de chaleur et de soleil du sud-ouest de France, y a pas de problème, je t'en fais cadeau. Hein. Je t'envoie ça par QSL, même par la même occasion. Hachi. Donc, de mon côté, là, au niveau des conditions de trafic, là, je suis sur un Yazoo FT450 AT. Bon, c'est un petit 40 canaux AMFM, pas plus. Hachi, trois coups. Et au niveau de l'antenne, ben c'est une Sigma Mantova 8, donc antenne verticale, qui n'est pas très haute, à 9 mètres du sol. Donc là, voilà de mon côté des conditions de trafic. Et oui, le micro, ben c'est un vieux micro des années 80, un vieux Pan ECM 2018 qui fonctionne toujours aussi bien. Ah, il n'est pas très joli au niveau de sa carcasse, mais il fonctionne du tonnerre. Oui, affirmatif, affirmatif, un rapport ici chez moi, c'est 5-9, il n'y a pas de problème, c'est super beau et tout, hein. Moi mes conditions de trafic, c'est le super, avec le niveau d'origine.
5-5. Spiegel également, un stéréo tornado à 4 radios. Et voilà, tout simplement, le reste normal. Ça passe comme ça, c'est la normale. Je fais le reste. Oui, voilà, exactement, oui. Oui, ça marche très bien. Hein. Et là, juste avant, justement, là, j'ai fait un contact, là, sur le 19 AM, le 2785 en AM. Là, ben, j'ai vu, là, juste avant, le Nord de France. Et je vois, là, tout à l'heure, bon, j'étais un petit peu occupé de mon côté, là, sur l'ordinateur, donc j'écoutais sur le web SDR que j'ai au QRA. Et putain, ça arrivait de partout. Du coup, j'ai craqué. J'ai tout lâché. Je me suis dit, il faut que je me mette au micro là parce que là, c'est. Non, je peux pas laisser passer ça. Ah, chi ! Retour. Oui, affirmatif. Hein. C'est tellement rare aussi que la propague s'ouvre comme ça sur vous, sur la France, car c'est toujours bien aussi de faire des contacts dans la langue maternelle, on va dire. Donc, c'est vrai que. Hier et aujourd'hui, on a un peu de chance quand même, c'est que la propague est très bonne et tout, et que ça passe très très bien. Je vois là, à l'instant, qu'il y a des jeux de blogger, donc je vais faire des vins de mon côté aussi, Hachi. Ah, d'accord. Ok, d'accord, t'es donc en même temps sur Cluster DX. Donc, ah bah oui, voilà. Alors que je te... Oui. Alors oui, la carte QSL. Ah voilà, j'ai un peu perdu l'habitude. Sun QSL card. Ok, voilà. Ça y est, c'est envoyé. Eh bien, tu vois, sous l'indicatif 14 Bravo Charlie 3301, c'est le deuxième échange de EQSL que je fais là sur Cluster DX. Le premier échange que j'ai fait, échange de QSL que j'ai fait, c'était le 27/03/2024 avec 9 Bravo Charlie 555. Et toi, là, aujourd'hui, c'est bon ça! C'est ce que j'ai vu après, parce que bon, j'essaie de faire deux choses en même temps, c'est-à-dire être en QSO et puis en même temps la suivre un petit peu dessus. Mais bon, j'imagine que là, je vais pas tarder à être déconnecté automatiquement, parce que bon, c'est vrai que je viens pas souvent dessus. Et bon, c'est vrai que bah, c'est pas mal comme système. J'étais habitué autrefois aux cartes QSL, bon, qu'on envoie par la poste. Et ça faisait travailler les postiers par la même occasion. Aujourd'hui, ben, c'est différent. C'est faut faire autrement, quoi. C'est ben, pourquoi pas. De toute façon, après, derrière, il suffit d'imprimer la EQSL. Et puis voilà, ça revient au même en fin de compte. Oui, bien sûr, c'est ça, quoi. Avant, oui, c'est vrai que c'était tout par la poste et tout, ben, à la longue. Oui, je pense. Ouais, là, j'ai la propa qui fait le yo-yo. Hein. Ouais, c'est sûr que quand la station n'est pas dessus, eh bien, ça part dans le vide pour le coup. Hein. Mais par la poste, il y avait aussi des problèmes. Hein.
qui se sont fait encore connaître il y a peu au niveau de certains OM qui fait des échanges de QSL papier, c'est certains demandent une enveloppe timbrée et tout, voire pire, de l'argent pour avoir une réponse, et puis les mecs ils se gardent ça dans la poche. Là, c'est pas très cuiro. Du coup, avec la EQSL, ça permet au moins de d'éviter tous ces désagréments, quoi. Affirmatif. Je ne sais pas si ton côté dit la même chose, mais bon, j'ai une petite descente de propal pour l'instant. Et oui. Toujours, donc y a pas de... Non, mais c'est vrai que, et vraiment, ici, ce que je me disais actuellement, il y a même des contextes, voilà, ça fait du yo. Oui, 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 j'espère que tu as relâché le micro. Attends, je relâche pour voir. Oui, je viens de récupérer ta EQSL. Bah, toi aussi, tu as un Lincoln 2 Plus. C'est ce que j'ai dans le push également, toi, là. Et antenne Stereo Tornado. Ah ouais, elle marche bien, celle-là. C'est vrai que... Et dans le push, ouais, je suis aussi avec le micro d'origine. Mais c'est vrai que le Lincoln 2 Plus, de toute façon, c'est vrai qu'il n'a pas besoin de plus que le micro d'origine. Ça fonctionne très bien, hein. J'adore, j'adore, j'adore. Oui, exactement, c'est exactement ça. Ouais. Bon, je pense que tu vas vouloir attraper, profiter de la propague, attraper d'autres stations. Et c'est vrai que par moment, moi aussi, de mon côté, hein, c'est un petit peu compliqué. La propague fait le yo-yo. Hein. Donc, je vais te laisser continuer à attraper d'autres stations, profiter du moment présent avec un peu tout le monde. Et je te remercie pour ce contact et surtout pour cet échange du QSL, à moins que tu aies envie qu'on continue comme ça. Ok, merci. Après, tu peux me retrouver facilement du côté internet, soit sur le forum ou le groupe Facebook La Planète Sibi Francophone. Voilà, c'est soit du côté du forum, soit du côté Facebook, sous le nom La Planète Sibi Francophone. Voilà, tu peux me retrouver également de ce côté-ci. Merci pour le contact et bon QSO. Oui, merci, bon QSO à toi aussi, 73, bon après-midi, merci. Merci, bye. Ça, c'est génial, c'est super. Faire du DX, oui, à condition de pouvoir papoter un peu comme on a fait là. Sinon, je préfère le local. Oh. Vu comment il passe. Et il a pris un vélo pour venir. Ok, QSL là pour le département du Lot-et-Garonne, le département de la Meurthe-et-Moselle à l'écoute.
sénateur Didier Repos-Micron. Bike pour le 33. D'accord. Oui, du QSL pour la ville de Marmande au sud-est de Bordeaux. Donc moi c'est la ville de Brié, hein. La ville de Brié qui est une petite sous-préfecture. Sur la carte, je me trouve en gros au milieu du département, à l'ouest de la ville de Metz, QSL. Pas facile à trouver une couleur. Qui éblouit pas trop. Ah, en violet. Ok, ben pour ici les conditions de réception, c'est un signal qui varie entre 7 et 8. Non, ça flash trop. Je donnerai une radio de 5, retour au micro. Alors. Ah, non, vert. Ben, ouais. Tu es celle pour le CRC. Et je crois que c'est celui-ci, cette couleur-là qui flash la moins. Le moins. La directive, je pense que ça ira un peu mieux. Voilà. Donc ici, condition WX, pour l'instant, c'est grand soleil sur le nord-est de France, avec des températures de 25 degrés, hein, 25 degrés, en espérant que ça tienne toute la semaine, hein, QSL. Ouais, 37 voilà. De mon côté. Il y a une station qui s'était annoncée sur un bref. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Je vous propose de le faire rentrer. Oui, merci, les 73 à vous, 14, bravo Charlie, 33, 01, Rémi, sur le département de la Gironde. Oui, bravo Charlie, 01, Rémi, bien sûr, Dundee 33, si je ne me trompe pas. Je suis grillé. Chi trois coups. Affirmatif. Avec un bon 37 degrés là ici au QRA. C'est affirmatif pour le 37 degrés. Hein. Voilà. Est-ce que Sébastien, tu copies notre Valérie? Ça va être compliqué là. Merci pour le retour de micro. Alors attends, peux-tu... Alors je l'entends à peine, hein, je le devine là derrière, comme quoi c'est bien souvent les stations les plus près qu'on entend les moins, qui passent les moins, je veux dire, et alors que toi, tu m'arrives comme une tonne de briques, hein, ou presque. Peux-tu me revenir avec ton indicatif? Je l'ai un peu zappé là depuis le temps. Oui, alors là par contre,
contre, Rémi, niveau de la radio, je ne sais pas, moi je reçois, je peux donner une radio 3-4, par contre, à primordial, c'est comme si je ne sais pas, tu n'es pas dans une boîte. Voilà. Donc mon indicatif, ça, donc, c'est 14 Echo Foxtrot 027, l'opérateur du guet sur la Meurthe et Moselle, retour. 14, là je sais pas, là je parle un peu plus en face, 14 Golf Echo Foxtrot 027. Là je parle bien en face du micro, si ça se reproduit, je crois que je vais pouvoir changer la pile. Il y a une amélioration, mais c'est pas bien net, hein. Je peux pas donner Radio 5, hein. Je donne Radio 4, mais il faut améliorer ça, Rémi. Hein. Ok, je QRX quelques instants, je change la pile du micro. Ok, donc QRX pour toi. Ben, enfin, je retourne le micro sur l'ami Sébastien. Elle est la pile est dedans depuis quelques années. Quoi. Ouais, donc il me dit qu'il va changer la pile de son micro parce que j'ai l'impression, je sais pas, que tu parles dans une boîte, ça donne une voix, enfin c'est bizarre. Voilà, c'est difficile à comprendre. Voilà, voilà, ben, ça me fait bien plaisir de contacter le sud-ouest de la France. Là. C'est une région, là, je m'y suis rendu il y a à peu près un mois et demi, hein, un mois et demi, oui, j'étais en vacances sur le Pays Basque, hein, et je connais aussi le département de la Dordogne. Il est allé en vacances, c'est vrai, très belle région. Voilà, comment c'est dedans. Ah, pourquoi il m'embête. Voilà. Et voilà, le micro. Il me dit qu'il changeait la pile de son micro. Donc, il a tué Rick un petit peu, donc non, pour l'instant, c'est uniquement nous deux. De retour. Ouais, ok, là, il est de retour. Donc, écoutez, pour avoir un petit peu, voir ce que ça donne. Et en fait, tu utilises quoi comme micro? Ok, voilà, donc là je suis sur un vieux micro que j'utilise déjà depuis pas mal d'années, qui date des années 80 d'ailleurs, alors c'est un PAN ECM 2018. Donc là de suite, là je suis maintenant sur une pile neuve. D'après ce que je vois là, ça a l'air de pas mal marcher, hein, ça... Oui, ça a l'air de tourner quand même pas mal. Et au niveau des conditions de trafic, là aujourd'hui, je suis sur le Yazu FT450AT. C'est au niveau de l'antenne, c'est une Sigma Mantova 8. Et juste en dessous là du décamétrique, j'ai une vieille base, mais qui me permet pas d'aller sur les zéros. C'est une vieille Stalker 20 qui est comme neuve dans son état. C'est ouais. Alors voyez un petit peu ce que ça donne là sur le retour. Ouais, et puis en plus de ça, là, ça fait le yo-yo. C'est pas évident. Mais je suis un peu étonné parce que tu es bien le premier qui me dit ça. Ok, j'attrape le micro d'origine. Ok, d'accord. Alors, pour l'ami Sébastien, là, donc c'est pas pour plus loin, donc il va rentrer sur un micro d'origine. Alors, ça dépend des postes, des stations qui écoutent. Pour d'autres, ça marche super bien. Ok, voilà. Bon, là, je suis de retour là sur le micro d'origine.
Donc le micro d'origine du Yazoo. Donc voyez un petit peu ce que ça donne. Par contre dessus, eh bien, il faudra que je change le cordon à l'occasion. Et encore que je fasse faire parce que j'ai pas la pince après adéquate pour la prise du micro, qui est une prise RJ45. J'ai pas compris. Ah, ok. Ah ben dans les deux cas je t'entends, il n'y a pas de problème. Ouais voilà, donc là je suis repassé donc sur la 5e. Hein. Je suis repassé sur la 5e, hein, les antennes qui est toute neuve, hein. Elle est sortie il y a 3 semaines à peu près. Hein. Donc j'ai juste dépourvu ça en VX très loin, hein, sur par exemple la Réunion, VX sur la métropole. Par contre en grand local, j'ai bien l'occasion de faire des essais avec cette nouvelle antenne. Donc, on verra bien, de toute façon, le jour arrivera. 57 de mon côté, ça passe bien. Ok, René, JQSL pour le 57, hein, JQSL. Voilà. Voilà, Sébastien, vous avez le micro ? Alors c'est vraiment du QRP, hein. Je peux, c'est même pas à peine une radio de 1. Je suis incapable. J'entends que c'est un OM qui parle et non pas une YL. Ça au moins là, j'arrive à faire la différence. Mais après, hachi. Mais après pour le reste, non, c'est impossible à décoder de mon côté. Hein. Si ça se trouve dans la vidéo, on entendra beaucoup mieux. Oui, là j'ai compris. Oui, sur le dernier passage, là, j'ai eu QSL, j'ai eu Roger, pas de problème. Eh ben, ça tombe bien parce que là, je suis actuellement en train de faire une vidéo, donc il pourra voir que, ben, justement, là, il est quelle heure? Il est 15h. Ouais, 15h, 14h59. Donc, parce que bon, j'affiche l'heure hein, sur mes vidéos. Enfin, dans la mesure du possible. Et en avançant la vidéo, justement, à 14h59 par là, il verra que là, à ce moment-là, j'ai réussi à le sortir un petit peu. Hachi, eh bien, merci à lui. Après, ben, le temps de travailler la vidéo, ceci, cela, de la mettre en ligne, ben, soit ce soir ou demain matin, au pire. Oh, je pense que ça devrait le faire ce soir. Ouais, il y a une bonne chance. Là, il est 15h. Ouais, ça devrait le faire. Hachi.
Ah, là, je l'ai entendu parler, mais j'ai pas réussi à décoder de mon côté. C'est ça le plaisir de la radio. En œuvre, et ben voilà quoi. C'est la programmation qui décide. C'est du aléatoire. Denis, retour micro. Oui, merci pour le retour micro. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Bah que je continue un petit peu, profiter un petit peu là des ondes. Pour une fois que je suis à la station là au QRA, au micro au QRA, c'est vrai que là je me souviens plus de quand date mon dernier QSO en fixe, en mobile. Bon, ça il y a pas de problème. Mais en fixe, toi je sais même plus de quand date mon dernier QSO. Donc je vais essayer de profiter un petit peu encore. Avant que la propague retombe, et ben, je vous remercie à tous les deux, les bonnes 113-51, bonne continuité de QSO, profitez bien de la propague, bon ben de la chaleur, je vais dire ben, pas trop quand même, parce que sinon on va vider les packs de bière trop vite. Hachi, merci pour les reports de modules, ceci, cela, et ben, à très bientôt via internet. Bye bye à tous et à vous deux. Jérémy, je reprends le micro. Et bien écoute, Rémi, je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour ce petit contact de radio, toujours très très sympathique, ma foi. Et puis ma foi, ben, bon QSO cet après-midi. Bon travail sur ta vidéo, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, grand merci pour tout ce que tu fais pour la TV. Rémi, Rémi, grand merci. Mais disons que c'est surtout pour avoir plus de monde en fréquence, à chi trois coups. Merci, bye bye. Ok, bye bye, Rémi. Sébastien, retour micro. Au revoir, Rémi. Moi, j'aime bien mon micro pré-ampli. Des meilleures conditions. Hop là. Voilà, donc pour Rémi et Sébastien, donc les modalités hein, de l'opérateur Didier, donc 14 Golf et Comportement 027, le département de la Meurthe-et-Moselle qui était content de faire ce petit QSO avec vous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et toujours au plaisir de vous recontacter. Merci les amis, au revoir. Merci, au revoir. Alors, je vais en profiter pour faire un petit test. Il faut que j'attrape mes écouteurs. Alors, je vais faire un petit test via mon web SDR. Là, là, il y a du monde. Là, il n'y a personne ? Ok. Alors, 27, 195. Alors, je vais faire un test, ouais, comme j'ai juste avant, via mon web SDR pour voir ça. Alors, USB, ok, 1, 2, 3. Ah ben, ça marche super bien, ça. Ah ben oui. Voilà. J'ai un retour.
J'ai un bon retour dans les écouteurs. Echo. Ouais, c'est juste à peine sensible. Juste comme il faut. Que je monte un peu le volume. Le volume du PC. 1, 2, 3, je m'en vais au bois. Waouh. Les 73-51. Voilà, je suis en train de faire un petit test. Ok. Ouais, bon, ça va, j'ai compris ce qui ne plaisait pas à l'OM. Je crois que c'est ça, justement, le petit écho qui est vraiment tout léger. Alors, comme je l'entends là, ça ressemble un petit peu au léger écho que moi, je rajoute après dans le logiciel au montage vidéo. Hop. Alors, le micro d'origine. Alors, voilà. Là, je suis avec le micro d'origine. Waouh. On entend les bruits d'alimentation derrière. Par contre, c'est sec au niveau de la modulation. Ouais, j'entends un ouh derrière. C'est... Ouais, il est pas assez directionnel, celui-là. Ok. Ouais, bon, il y a du bruit aussi derrière. J'avais pas fait attention. Alors, pour le Roger Beep du Yasu FT450. Dessus, ça s'appelle Standby Beep. Et il n'est pas très fort. Alors, voilà. Ok. Bon, ben ça, c'est bon, ça. Bon, je vais voir un peu en AM ce que ça donne. Un, deux, trois. Oh! Un, deux. Putain, c'est tout juste si on entend le... Ah, j'aurais préféré l'inverse. Écho. Ouais, si on l'entend à peine. Là, l'écho est étouffé par rapport à la BLU. Alors qu'il est vraiment très, très limite. Putain, mais là, il est vraiment étouffé, là. Il est vraiment... Ouais, c'est curieux ça. J'aurais préféré l'avoir un chouïa plus fort, enfin inverser la façon dont il est en BLU avec la façon dont je l'entends là en AM. Alors vous ne l'entendez pas parce que je l'ai dans les écouteurs. Là je parle à la caméra. Bon allez, j'arrête les conneries et je me remets en fréquence. Voilà, ils sont passés où? Ils sont passés où? Bon, d'accord. Ah, ça crachote la FM. Non, je peux pas. Avant que je m'attrape de l'acouphène. Bon, c'est pas aussi rapide que ça quand même. Oh. Est-ce une blague ou quoi? Et les copains, vous êtes où? Vraiment bien nous aller au niveau du record.
parce que la prise de vent, elle est quand même énorme. Hein. Bon, j'ai fait deux EQSL du coup. Et bien la seconde, l'OM n'est pas sur Cluster DX. Dommage. Alors dans ces cas-là, quand quelqu'un s'inscrit après, je sais pas si ça lui tombe tout seul dans le bec. Non, je vois pas pourquoi. Et pourquoi pas. Aïe. CQ DX, appel sur la fréquence moniteur des Bravo Charlie de 14 Bravo Charlie 33 01 impérateur Rémi en fixe sur le sud-ouest France, département de la Gironde, sur le secteur du Castillonnet. Mon gars, t'es sur une fréquence DX. Hein. Un petit QSY. Ok, bon, c'est pas grave. L'avantage sur nos postes, c'est qu'on a plein de fréquences où aller. Et ça, c'est un petit clin d'œil à ceux qui passent leur temps à pester. Alors qu'ils font pas l'effort d'aller ailleurs. C'est pas ça que je voulais. Non, c'est retombé. Pourtant, il y a de la propague, mais c'est les OM qui sont plus là. À cette minute même. Attention, les stations en fréquence. Attention, Nounours, Guimauve en chocolat ou Drakkar. Ou Barracuda 56 pour Dundee 33 qui vous appelle. Alors, il y a un petit sifflement qui passe de temps en temps. Ça, c'est le filtre DSP, le BHI là, qui me génère ça. Si je branche le haut-parleur en direct, évidemment, ce problème-là, je ne l'ai plus. Mais j'ai plus le filtrage. Donc, je fais avec. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais arrêter la vidéo là. Les 73-51 tous, 212 QRA, Dundee 33, 14, Bravo Charlie 33, 01, Rémi, la planète Sibi francophone. Et à bientôt.